Pourquoi ça se coupe même? Je comprends pas. Pourquoi ça se coupe même? Mon bébé coco, ça a cuit. Quand même, maman, vous n'allez pas un peu. Mon bébé coco, ça a cuit. Ça a été enduré, ça a bugué, je ne sais pas pourquoi. Ça a cuit, oh, ça a cuit. Oh, ça a cuit, oh, ça a cuit. Maman, pépé, ton silence là. Maintenant, j'aime ça. Oui, 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 oui. Manque, oh, manque, c'est chaud. Vous avez dit que Ngoy est méchante, sadique. Vous avez dit non. Que je suis jalouse. Je suis haineuse. Je n'aime pas la paix. Mm-hmm. Mmh. Mmh. La mère de chaque personne est bonne à elle. Goya a lavé la dépouille de ma mère, lavé la dépouille de ma belle-mère ici là. Mais comme c'était pour moi, vous étiez correct. Oui, oui, oui. Oh maman, pépé, ton silence. Oh, oh, oh compresseur. Oh, merci la diamant bleu. La guta boss. Envoyez les cœurs. Oui, 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 oui. Oh, guta boss, oh, tu avais dit qu'elle ne répond pas. Tu as bien. Oh, oui, oui, oui. Oh, 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 oh. Ambassadrice humanitaire. Oh, mon handicap, mon combat. Pelem, 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 pelem. Mhm. 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 Oh oh oh. Mhm. 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 Ni toketa asuka ngongoli. Ah. Asuka ngongoli ni toketa. Mhm. M'aider maman. M'aider maman sur Facebook. Mes deux mamans. Mm-hmm. Oh, mes deux mamans. Mes deux mamans sur Facebook. Oh, compose pas. Oh. Tes silences. Oh, oh ta silence, ton silence. Oh. Et vous avez dit que la paix avait. Tu étais pour nuire à compresseur. Donc, mon pion a tout fait. Tout, tout, tout. Et voilà. Oh, le silence de Maman Pepe. Oh, 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 le diamant bleu. Oh, le cadre. La vantadise. Ouh, tu peux te vanter, hein. Ma Pepe, tu peux te vanter. Ouh, envoyez les cœurs pour le diamant bleu. Oh, ma Pepe, tu peux te vanter, oh. Si tu as la photo, mets ça sur ta commode. Ma Pepe, tu prends sa photo, tu mets sur ta commode, juste pour le mal. Oh, ah. Jean-Simon se m'a mis quoi comme ça. Hey. Mmh. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ma pépé, tu peux te vanter. Ma pépé, tu peux te vanter. Ah, Pépé, vente-toi, oh.
Ma pépé, oh. Oh, oh, oh. Oh, ma pépé, oh. Vente-toi, oh. Oh, la maman des orphelins, oh. Ma pépé, vente-toi, oh. Oui, 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 oui. Merci pour les bips, mon bébé Corinne. Mmh. Mais tu dis, mais Ayoba à la une. Voilà. Mmh. Mmh, 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 mmh. Wow. Ma pépé vente-toi. Mmh, 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 mmh. Ton silence tue, ma pépé. Merci la juta bosso. Oh. Mmh, 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 mmh. Oui, oui, oui. Oh, oh, oh. Achouka Nwangwali Nicolo. Hein? Ma mère, c'est ma mère. C'est ma mère. Achouka. Tu arrives, tu as une mère, tu prends une autre mère, tu doubles les mères. Tu as ta propre mère qui t'a accouché, tu as l'autre mère, tu trouves l'autre mère, tu doubles les mères. C'est ma mère. Tu ne peux pas manquer de la mais deux mamans, deux mamans. Après, la maman est devenue la grande sœur. Maintenant, la grande sœur est devenue qu'elle veut seulement t'abattre. Donc, elle insulte ta mère, elle expose ta mère, mais tu ne peux pas parler pour elle. Oulululou. Mmh. Mmh. Ma pépé, ton silence, oh. La guitare, bosso, oh, c'est toi qui connais, oh. Mmh, mmh, mmh. Ma pépé, ton silence, petit, oh. Oh, le diamant bleu, oh. Maman, va écraser la photo. Mmh. Va écraser la photo. Hey. Oh, oh, oh. J'ai pas vu l'image, mais si quelqu'un qui me suit, qui connaît, oui, qui connaît comment on coupe là, tu coupes la partie là pour moi, oh. Pardon, coupez la partie là, vous m'envoyez, je poste, oh. Je l'ai pas vu, oh, il m'avait bloqué, oh. Oh, ma pépé, oh. Ton silence. Mes deux mamans sur Facebook, un jour, la Nicole, que tu es venue dire que oui, la reine m'a bien me soutenir, ou c'était quoi. Après ça, quand les mouchons se sont un peu fâchés, encore venu dire que non, je suis avec mes deux mamans. Deux mamans, tu doubles les mamans. Tu trouves une maman, tu doubles l'autre sur ça, tu doubles l'autre, tu triples les mamans. Oh, ma maman de Facebook. Hey. Les mamans de Facebook deviennent les petits soeurs. Les petits soeurs de Facebook insultent les enfants des autres. Hey, 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 hey. Oh, les mamans des autres sont bons à insulter, sauf pour les autres. Oh, oh. On peut pas insulter un agrenga. Oh. Ma pépé, ton silence, oh. Ma pépé, ne change pas, oh. Merci la guitare, bosso. Oh, oh. Hein. Quand la fête du commentaire, je disais que ouais, Pépé doit répondre. Ngoï la cherche, elle doit répondre. Ça fait longtemps, hein. Et puis, ta pote sentit qu'elle ne veut pas de réponse. Que pas de clash. Mais tu as dit que, mais, si on l'insulte, toi, elle doit répondre. Mm-hmm. Mm-hmm. Ma Pépé, oh. Oh, la maman des orphelins, oh. La blogueuse humanitaire, le nom de la petite Ngoï. Comme Ngoï a vu que ma pépé s'est tiré de mettre avec un bon nom. Blogueuse humanitaire. Oui, c'est blogueuse de blessés de guerre. Blogueuse de blessés de guerre et blogueuse humanitaire. Oui. Ma pépé, oh. Ma pépé, oh, ton silence, oh. Oui. Tu es Rio. Thierry, Thierry, oh. Oh, le beau frère, oh, le beau des beaux, oh. Le beau des beaux, Thierry, Thierry, oh. Oh, Thierry, oh, qui es-tu, oh? Comment vous avez fait, oh? Blogueuse humanitaire. C'est un bon nom, hein? Avec blogueuse des blessés de guerre. Non. Animatrice web des blessés de guerre. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 dans tous les deuils, oh. Blogueuse des blessés de guerre. On a blogueuse humanitaire et blogueuse des blessés de guerre. Madame, vous avez fait la guerre ou de l'Iran, de l'Irak? C'est la guerre de quoi là? La guerre de sécession? Blogueuse des blessés de guerre. Voilà les Djengoï. Oh, maman, bébé, ton silence. Oh, maman, bébé. J'aime le truc comme ça. La bosse, la bosse, la bosse, la bosse. Je vous ai dit qu'elle est méchante. Non. Machin. Elle c'est ma co. Après c'est ma collègue. Après c'est encore ma copine. Ah, eh? Ça te rend, Ngoï.
ça te rate. Ta mission que tu es venue là, tu n'as pas trouvé. Tu cherches, tu pensais que tu allais être à la tête. Blogueuse de blessés de guerre, tu te tires avec ça. Haineuse puissance haine. Insulteuse de dépouille de mère des gens. Attendez. Hein? Ouais. C'est mon manger, ma dernière bouchée. Désolée, j'ai mangé, j'étais avec vous. La guerre de l'Ukraine, blogueuse de blessés de guerre, la guerre, quelle guerre, la guerre de l'Ukraine. On les y fait, on va dire que blessés de guerre. Et. Il faut que tu as Ashuka. Tu viens, tu doubles les mains, tu triples les mains. Ashuka. Ashuka, ma fille. Ouais. Elle a dit que tout le monde est parti cacher Nicole. Nicole qui nous a insulté ici des mois, même années. Elle n'a pas répondu à Nicole. Moi, coupé, Nicole, je postais, je restais tranquille. Mm-hmm. Tu vas cracher Nicole. Je crois que comme Pépé dit souvent que si on touche Nicole, on l'a touché. Donc elle crachait Nicole pour toucher Pépé. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais. Mm-hmm. Pépé a toujours dit que si on cache Nicole, on la touche. Que Nicole, c'est sa fille. Donc, oui, cacher Nicole pour toucher Pépé. Mm-hmm. Oh, oh. Bon, ouais, oh. Faut être fâché parce que Nicole a prononcé sa mère, oh. Donc, il y a les mains touchables et les mains intouchables, oh. Il y a les dépouilles des familles des gens qu'on peut exposer et les dépouilles qu'on n'expose pas, oh. Oh, pas Lilo. Oh, pas Lilo. Maman Pépé qui es-tu, oh? Oh, maman Pépé, oh. Ton silence peut tuer. Je ne savais pas qu'on peut aussi rester en silence. On regarde les choses et puis les gens paniquent. On dit que panique à nos profondes, panique à nos troupes. C'est-à-dire que le camp d'en face panique le genre que merde, une petite femme petite comme ça, illettrée. Mon handicap, mon combat, ça c'est une émission que. Même si tu passes sur Facebook, n'importe quoi, tu t'arrêtes, tu dis que merde, mon handicap, mon combat, elle veut parler de quoi. Puis quelqu'un a dit que je suis infime, je sais. Ça c'est is caring, you know. La suite de caring en plus de blogueuse humanitaire. Oh là là. Mais toi, Ngoï, blessée de guerre, cracheuse, haineuse. Quoi? Tes titres, c'est quoi même? Quand on passe comme ça, on te voit. Nathalie, barbarlé, Nathalie, le mari est parti, il est venu. Pleureuse des mariages et de l'équilibre des gens. Moi, j'ai encore un titre pour une fois, Oula Mangoui. Ouais. Moi, je pose des questions sur les mamans qui félicitent Flo dans tout ce brouillard. Les mamans qui félicitent Flo, c'est des mamans. Soit il y a des lesbiennes. Je vous dis, derrière dans son équipe à Flo, il y a beaucoup de lesbiennes cachées, beaucoup de des femmes, vous voyez, qui sont lélées, mais qui n'assument pas. Voilà. Il y a beaucoup. Ça, elle la supporte juste par appartenance, voilà, à une orientation. Voilà, exactement. Malheureusement, c'est ça. Parce que c'est ça, hein. Les gens viennent sur Facebook détester les gens qui n'ont jamais vu, ne connaissent pas. Juste pour le plaisir d'accompagner une personne qui décide de se faire la peau de son semblable sans motif fondé, voilà. Ouais, 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 Ngoye. Ouais, ça c'est une abeille qui dit que Ngoye a mal agi. Les abeilles, les mouches, quoi la cam. Comment tu trouves ça? Oh, la paix, oh. Nathalie, maman, elle est jalouse de la paix, oh. Une place. Maman, Pépé et Flo, une place. Une place. C'est que le silence de maman Pépé, c'est 55 gifles. Comptez, hein. Pap, 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 55. Hé, massa. Ouh! Hi. Moi, j'étais d'abord. Elle me dit que non. Elle fait qu'on dit que Pépé doit être en silence. Non, non, non. Il faut qu'elle réponde. Non, 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 il ne faut pas qu'elle réponde. Elle doit garder le silence. Ouais, ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est les waka, les femmes, les gigolos. Oui, c'est eux qui peuvent supporter Ngoï. Oui, oui. Elle a exposé la maman de Nicole. Dit comment Nicole a le sida. Et tout le monde a le sida. Pépé a le sida. Tel a le sida. C'est tout Ngoï qui nous avait amené tout ça sur Facebook. Moi-même, si elle m'a. Peut-être qu'elle m'a pas collé mon sida. Ou bien mon sida, ça va glisser. Je sais pas comment ça s'est passé pour ma part de sida. Parce que Ngoï, tout le monde qui a pour qu'elle a le sida. Le sida n'est pas une maladie de honte. Imagine à quelqu'un. Hein? Imagine, le sida n'est pas une maladie de honte. Ok? Bon, hein? Le sida, en fait, c'est une maladie de. Malchance, je vais appeler ça comment? Parce que c'est concours de circonstances. Tu peux même fidèle à ton homme, lui va prendre et te donne. Tu peux être fidèle à ta femme, elle va prendre et te donne. À ton épouse ou à ton époux. Tu peux le prendre par transfusion sanguine, il y a tellement de façons de le prendre. Et on ne meurt plus du sida, c'est pas une maladie de moquerie. Alors, si, il fallait donner le sida, on allait te donner toi, mbordé, puissance N, qui a continué jusqu'à maintenant à écraser le piment, à chanter sur les micros. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc,
La maman de Nicole vient nous trouver sur Facebook. Nicole répond sur Ananganga. Ça devient un problème. Maintenant, tu vois que, oh, il faut que tu ailles attaquer Pépé. Oh, Pépé, ton silence, oh. Oh, Pépé, ton silence, oh. Maintenant, cherche la compassion. Maintenant, il faut faire le litchi pour Ananganga. Oh, Pépé, le silence, oh. Oh, je savais pas que le silence pouvait faire ça, oh. Oh, Nathalie, maman, elle est jalouse de la paix. Tu n'aimes pas la paix. Oh, Borosangi, tu vas rester seule. Je, maman, je reste seule. J'ai toujours été seule. Une place. Oh, Borosangi, tu vas rester seule. Oh, Borosangi, tu es jalouse de la paix de maman Pépé. Maman Pépé, Fleur de Lis, une place. Maintenant, c'est Fleur de Lis, les tchin-tchin pantalons, une place. Les vieilles chouettes. Vous cherchez, toi, vous accrochez sur quelqu'un. Oh, que vous êtes déjà des patrons, des grandes teams que vous ne pouvez même plus, vous n'avez plus besoin même de quelqu'un pour fonctionner. Oh Nicole, oh Nicole, voilà alors la personne que tu dois clasher. Parce que moi là, Nicole, tu connais. Tu es monté sur moi, je peux être l'égal de ta mère. Je vais te mettre pour rien. Pour aider Ngoy. Pour aider Ngoy. Tu m'insultais pour aider Ngoy. Oui, c'était ça. Après le manque de logique de Pépé, que Pépé insulte Patricia. Parce que Patricia insulte M. Messamène, n'insulte pas Ngoy qui insulte aussi M. Messamène. Elle dit que c'est pas normal. Parce que c'est ta co, la co pour aller où? Si c'est une co, elle ne doit pas toucher ton frère. Comme Tom, tu ne dois pas toucher son frère. J'ai parlé de ça, c'est devenu que. Après, tu m'as aussi insulté moi-même par rapport à Pépé, mais tu m'as pris par rapport à Ngoy correctement et bien. Vous aidez, vous la connaissez ni d'Adam ni d'Eve. Si tu as un souci dans ta vie, Ngoy ne peut pas s'élever sur ça. La preuve, voilà ta mère qu'elle expose. Si tu avais accès à Maman Anna, tu allais, on allait ouvrir le téléphone à Maman Anna, on allait voir quelqu'un qui part dans tous les sens. Par exemple, Maman Anna, c'est du coq à l'âne. Elle va dire A, après, elle va dire Z, après, elle va dire B, après. Elle est perdue, la maman est malade. Ça dit qu'il y a un peu d'Alzheimer, un peu de lunatisme, un peu de tout. Mais Ngoy se permet d'enregistrer, d'afficher les moments des gens quand sa part même est malade. C'est des choses qu'il faut comprendre que vraiment, je ne sais même pas. C'est une femme que pour l'approcher, moi je ne sais pas comment vous faites. Parce que sa part de maman est bien malade. La maman de Ngoy, non. Elle est bien malade. Oui. Oui. Elle est bien malade. Le silence, le silence, le silence. C'est maintenant que je comprends que merde. Ouais, le silence, comme toi, le silence de Pépé. Oui. Elle voulait atteindre le composant. Parce que le composant dit que si tu touches à Nicole, tu m'as touché. C'est ma fille. Donc elle a du coup, elle est du coup passée par Nicole. Comme elle a fait des directs comme Pépé, tu n'as pas géré. Ouh, Pépé, tu, comment tu fais? Thierry, ouais, le quartier de massage que tu donnes à ma Pépé, non. Ouais, ouais, ben, quand tu as du travail le soir, Sami. Elle dort, elle est ronfle, elle. Surtout quand elle a dit bonjour, mais t'es cassé, je me sens pas bien. Elle a dit, je suis blogueuse humanitaire et vous? Le nom là seulement, Ngoy, tu es blogueuse quoi? Blogueuse de l'émission Blogueuse de guerre. Donc tu es comme Chin Chin. Je suis animatrice web télé. Télé quoi? Dodo TV, télé quartier. De la part de. Hein? Télé quartier, c'est qui a dit ça? C'est donc celle là, la baronne. Moi j'ai dit Dodo TV, télé quartier. TV, quartier TV, Dodo TV. Je suis l'animatrice web de Dodo TV, quartier TV. Quand je vais dans mon pays, je me cache. Je marche, je ne dis pas où je suis, je me cache en tant que blogueuse. J'ai dit que chut, je vais manger 2 heures, mais ne dites pas que je suis là. Oui, ça c'est moi. Je m'appelle Lolo Fonja, la fille du commissaire priseur. Le commissaire pissait beaucoup dans le bureau, c'est ça qu'on l'appelle le commissaire pisseur. Voilà. Et puis j'ai une émission, animatrice web télé, Dodo TV, quartier TV. Moi c'est Flore, la blogueuse Numba Uno de Facebook. Mon émission, blessée de guerre. Mon métier pimentier pour la vie. Pas de nom. Tu as dit quoi, blogueuse humanitaire? Arrête, ça ne peut pas t'aller. Tu as dit quoi? Maman Pépé a sorti une émission. Mon handicap, mon combat. Vous êtes jaloux. Oh, c'est pas un handicap. Oh, retourne à l'école. Si elle ne peut pas aller à l'école et que ça donne qu'elle peut passer, qu'elle ne peut pas psychologiquement, elle est atteinte même à s'asseoir sur les bancs. Respectez ça. Et là, si ses chevaux, elle demande à manger, ne donnez plus. Vous comprenez, non? J'ai dit, blessé de guerre. C'est la guerre de l'Ukraine, c'est Iran-Irak, c'est la guerre de Ouzbékistan, Tadjikistan, c'est l'Afghanistan, Marilyn Chang, Kazi Gelo, Kamagem, Chang Chang contre Bangante, Marilyn Chang, Lengelo. Mais c'est la guerre avec la reine Mère Bio. Tu te fais une fixation, tu l'aimes me détruire. Oui, ça n'a pas fonctionné. Tu as tout fait. Ouais. Nicole. Ça là, voilà là où tu dois descendre dans la boue. Oui. On nous dit ici que Ngoy ne touche jamais les pas. Oh, elle est très gentille, hein, Flo. Quand elle parle, elle n'insulte pas. Elle fait se marier. Elle n'insulte pas. Elle n'est pas, c'est pas sincère. Elle n'est pas méchante. Elle est lente. Montez, essayez de faire que oui, que Reine Galloise soit avec Pépé. Après, c'est encore glissé que fou. C'est vite fini, vite. Ouh, voyez à tout essayer, oh. On m'a dit qu'elle m'a posté. Elle a posté ma photo là-bas. Je sais pas pourquoi. C'est parce qu'elle me veut, là, dans ces choses-là. Blessée de piment.
blessé de guerre, blessé de piment, blessé de quoi tout. Ouais. J'ai une émission. On a l'air des émissions, blessé de quoi tout. Les filles, moi, elle a fait pécher. Je vous dis qu'elle me regarde souvent comme ça, là. Je dis que merde, une vieille mère comme moi, je suis même dans quoi comme ça. Eh, Seigneur. Si vous voulez connaître où j'étais le week-end et les qualités des gens à côté de qui j'étais, quand on me reste, on s'est dit que merde, je gérais même pas Facebook. Je vous gère pas. Comme Mathieu dit, je vous gère pas. Je vous gère pas. Ouais, Seigneur. Blessé de ouais, tout, blessé de tout. Affamé où? Comme t'as toujours blessé de tête. C'est mon émission. Le retour des blessés de tête. Blessé de tête dort souvent. Hein. Dodo TV. Ça ronfle jusqu'après, ça revient. Blessé de tête. Elle se réveille comme dans un sommeil. Je demande, vous êtes obligés de faire les émissions. Continuez seulement à insulter les bien gens comme nous. Voilà. Nicole l'a touché propre. Comme elle a sorti sa dernière balle de cheville qu'elle avait sur la mère de Nicole, elle préfère se retourner sur compresseur. Compresseur, quand elle vit le direct t'appeler. Ouais, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Comment tu fais que cette fille-là se maîtrise comme ça, bébé? Oui, la pub dit, oh mon bébé Katosha, comment tu vas? Mon bébé qui connaît me bombarder les étoiles là. Katosha, c'est toi qui fais mon chèque d'étoiles du mois. Hein. Qu'est-ce que ça, à la fin du mois, me donne les étoiles. C'est ce qu'il y a pour toi dedans beaucoup, mon bébé. C'est que j'ai commandé le cappuccino glacé, mais j'ai fait l'erreur de mettre dans cette tasse. Donc, c'est concentré, ça ne sort même pas. Peut-être qu'il fallait que je laisse dans son verre pour boire. J'ai fait l'erreur de mettre dans ma tasse là, donc c'est dur jusqu'à ne peut pas boire. Ouais, et puis, blessé de guerre, et puis que Dodo TV. Blessé de guerre, dort 8 mois, il se réveille après. Donc, on va dire quoi alors? Mieux encore, c'est Dodo TV. Ouais, les blogueuses, elles veulent finir avec quelque chose. Elles se disent que comme la notoriété nous a supplié, quand on se connaît, on avait 1000 ou 2000 personnes, il faut qu'on finisse avec un titre. On m'a dit que pour finir aux réseaux sociaux, elle aboutit avec tel titre. On ne force pas. Et ça, c'est forcé. C'est quelque chose que ça, c'est la coulance. C'est pas forcé, les vieilles chouettes. Vraiment forcé. Oh là là. C'est pas forcé. On ne force pas. Ouais, ronflement TV. Maman, la paix. Merci pour les étoiles, mon bébé Kato. Chaque fois le mois fini, là, non, il sait que ta paix est dedans beaucoup. C'est toi qui me donnes les cadeaux ici, chaque temps, quand tu viens, tu mets mon temps. Ouais, ok, je fais comment? Je demande même que j'ai les mères, que j'ai aussi le chèque. Quand on vient à la fin du mois, on dit que étoile, mais moi aussi le chèque. Oh bah, c'est pas le ciao. C'est pas le ciao. Quand elle va une abeille ici, elle dit, moi, faut mon combat. Je demande, ton combat, là, non? Son ronflement de télé, de guerre, blessé de guerre, là. Comment ton combat a pu tremper les mains comme ça, abeillonne? Abeillonne moucheronne. J'ai dit que, hop à l'heure, comment le combat de voici une abeille de Ngoï m'a fait mon combat? L'abeille de Ngoï m'a fait mon combat, hein, qui est là dans mon direct, là. Comment ta patronne peut faire ce genre d'erreur? Pas faux mon combat. Et comment? Oh là là, c'est pas possible. Mais Flore Magina Kinkam Kouli, la fille du centrafricain, comment ça s'est fait? Nicole Ketchabawe, Nicole c'est qui? Jusqu'à ce que tu te lèves sur Nicole, tu rabats sur Pépé, ta collègue, que tu avais juré que jamais tu vas clasher. On fait comment même? Vous faites ça? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Afam, je t'ai appelé fatigué. Suis-moi, c'est tranquille. Dis que si Afam ne vient pas. Même Maté, j'ai appelé Maté fatigué. Tu fais ça comment, ma faux? Ma faute de Ngoyi qui est dans mon direct là, tu fais ça comment? Tu as une télévision pour toi, alors mieux encore c'est Dodo, parce que Dodo se dort, c'est là, toi c'est ronflement TV, blessé de guerre. Une blessée de guerre qui ronfle sur 7 mois, mon frère. Tu dis que tu reviens avec l'émission. Tu veux pour nous parler de quoi? Et tu casses la photo, c'est-à-dire que l'erreur à ne pas commettre, la photo de ta devenue collègue, la mère, c'est-à-dire que toi, la mère de Nicole, devenue grande sœur. Nicole, elle peut t'accoucher. Ngoyi a 5 ans. Si on regarde Mambombo Olo au pays, là, c'est même âge que Ngoyi. Ngoyi peut accoucher un enfant comme toi, Nicole Ketcha. Franchement, faut arrêter. Flore Magina Kinkam Kouli, tu as raté, mais vraiment de la pire. Je sais pas si c'est le game, hein, mais ça ne peut même pas être le game. Parce que le tout aussi. Ah non. Facebook, hein. Facebook, hein. Aïe, aïe, aïe. Elle a coché la faute, cassé la photo de la paix.
Oh, monsieur, un mot va venir donner. Président. Président hypocrite, après ça, tu portes la photo, tu veux les donner pour faire la paix. Ou c'est le théâtre que vous jouez. Ou vous jouez avec des émotions. Moi, je ne comprends même pas. Moi, vraiment, je ne peux pas vous mentir. C'est pour ça que les mélangements, je ne suis pas dedans. Les choses qu'on va venir jouer avec les émotions, un coup, on fait comme ci, après, on vient faire comme ça, on essaie de faire une paix bancale et tout ça. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Hey! Oh, Palilo, oh, Palilo, elle est en train de parler maintenant de la dot de compresseur. Oui, la dot, parlons-en. Toqué porte. Est-ce qu'on a toqué pour Ngoï? Ngoï nous a dit qu'elle était mariée, même si on ne sait pas. Peut-être que c'était à l'époque, il n'y avait pas les photos. Là, 5 ans, 5 ans. Les photos sont arrivées quand? On a même Polaroid. On a les photos Polaroid que tu as pu comme ça sort chiant. Peut-être même la belle famille qui était venue de Tengoï n'avait pas l'argent pour même la photo. Parce que s'il y avait une photo de sa dot, elle allait nous mettre ça. Quelqu'un va nous mettre sa roha. D'accord? Toi qui viens me dire qu'André va te bloquer. Tu comprends, non? Je vais te bloquer. Tu me dis que allons, que moi-même, quand tu n'es pas parti là-bas, dis que moi, je suis déjà André, qu'elle vient ici. J'étais bloqué. C'est même normal. Moi, je suis André, vous me dites que quelqu'un en direct allons là-bas, parce que moi, je dois fermer mon direct. Mais tu es fatigué. Tu me vois souvent en direct. J'étais bloqué. Toqué fenêtre. Je préfère, moi, la toqué fenêtre, hein, ma pépé. Ma pépé ne te manque pas le soleil maintenant. Il faisait froid aujourd'hui, mal. Ma pépé, je peux faire moi ton toquet fenêtre, ma chérie. Moi, j'aime moi le toquet fenêtre. Je ne vous manque pas, j'aime le toquet fenêtre. Parce que si je vais là, j'aurai l'ombre. Il me reste combien de minutes? Comment dire, ma pépé, j'aime moi le toquet fenêtre que tu as fait là. Propre. Tu comprends, non, ma chérie? Quand je te manque, je préfère le toquet fenêtre que le toquet rien. Personne ne veut Ngoyo. Personne ne veut. Même ici, j'aurais pas l'ombre. Ah, soleil partout. J'aurais pas l'ombre en tant que tel. J'ai quand même un peu. Un peu d'ombre. Un peu. Il me reste quelques minutes. Je dis que je préfère le toquet fenêtre de ma faux. Quand je vous parlais ici à l'époque, que Flore Magina Kinkam est tellement méchante dans lequel il a paix. Tu es jalouse qu'elle s'en paye, maman Pépé. Maman Pépé, fais une place. Au Rosang et la chèvre. Voilà ça. Madeleine, tu peux me dire. Voyez la haine. Voyez la sorcellerie. Parce que maman Pépé a décidé de. Ça veut dire que de ce tel silence de Pépé, tu es devenue folle. Kinkam est devenue folle. Folle, 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 folle. Elle n'est plus capable. Elle ne se contrôle plus. Elle s'en prend à la dot, elle s'en prend à tout. Elle-même, là, qui l'a assumé? Même une lélé courageuse vient dire qu'elle j'aime. Comme vous avez vu, on a notre fille au Shiga. Elle s'est levée, elle a pris son amec à main. Elle brandit ça comme un trophée de gloire. Elle ne dit rien à personne. Hein? Vous êtes sérieux? Non, franchement. Au Shiga a pris son gars. Elle a brandi ça comme le trophée de gloire. Elle ne dit rien à personne au Shiga. Personne. Personne au Shiga. Et en amour, point. Elle ne discute avec personne. Elle est en amour. Elle aime son gars propre. Vous avez vu ça où? Non. Non, mais allô, quoi. Non, mais allô, quoi. Non, mais franchement, quoi. Ma pépé, ton silence, non. J'aime ça mal. Donc ça, là. Ndolé Mitouma. Pépé, tu qui es-tu? Ma pépé, qui es-tu, oh? Ma pépé, oh? Ma pépé, oh? La cuita bosso. Amélie, oh? Amélie la guta bosso. Ma pépé oh. Amélie oh. Toi je ne casse plus. Toi je ne suis plus dans les saletés. Oh je fais mes soirées. Je suis occupée. Milan. Et lang, tu as compris non? Mm-hmm.
Ah, les cacatiens, oh, vous avez la lecture. Ngoy, comme t'as tout. Ngoy Satan. Ngoy Satan. Pour acheter Satan sur ton nom. Elle est vraiment méchante, cette fille. Foncièrement méchante. Vraiment méchante, Ngoy Satan là. Vraiment méchante, Ngoy. J'ai fini de manger même un peu le dessert, tout ça. Vous pouvez capturer, hein, sa bouche et ceci, son ceci et cela. Change rien, je m'en fous. Goy, tu as ta tue méchante. Goy, Satan. Merci, on m'a envoyé la vidéo, la coupure. Je vois que la coupure de l'endroit seulement où elle a déchiré, cassé la photo, il y a là. Mais tu. Je vais poster ça. Ouh! Ça, c'est grave. Ouais. Je confirme qu'elle cherche un motif et Nicole. Parce que Nicole, écoute, tu t'acharnes contre Nicole. Nous sommes insultés par Nicole depuis belle lurette. On n'a rien fait. On n'a rien dit. On n'a rien qu'on n'a rien dit. On n'a rien qu'on n'a rien dit. Depuis belle durée, nous sommes insultés par Nicole. On n'a rien qu'on n'a rien dit. Oui. Allô, Afa. Ouais, la reine Mère Bio, bonne arrivée. Merci. Je ne savais pas que tu es revenu. Vous êtes le matin. Je disais bon voyage. Hier, vers 13h, ton beau de beau, il m'a pris, il m'a amené à la maison, tranquille et tout. Ouais. Pendant ce temps, on n'assume même pas les autres. Ouais. Non, on n'assume pas. On ne toque même pas à leur porte. Hein. Mais est-ce qu'à l'Ouest, même d'abord, les mariages homosexuels sont acceptés? Est-ce que la tradition accepte ça que peut-être deux hommes se marient, deux ou bien deux femmes? Mais même à ça, elle pouvait même prendre hétéro et puis masquer, non? Parce qu'elle masque toujours, elle n'accepte même pas son léléisme. Donc, elle pouvait même prendre même hétéro et masque, non? Non, mais elle assume l'antillesse. Elle marche quand même avec l'antillesse, mine de rien. On marche avec les amis. Elle peut te dire après que c'est son ami. C'est une fille qui connaît le passé de. C'est... Elle aime bien les narpas, quoi. En tout cas, elle met biologie à pas peu versé de. Ouais. On veut même partir en retraite, mais on nous amène toujours. On veut même se reposer, mais ça ne donne pas. Afab, je peux te poser une question. Elle met bio. Même quand ça va énerver. Ma réponse va énerver, mais elle veut quand même répondre. Quand on est ami avec quelqu'un, co et puis collègue. Oui. Que la personne décide d'opter pour le silence dans beaucoup de choses. Toujours dans le clash que nous-mêmes, en tant qu'amis, on déclare qu'on n'est plus dans les clashs, on organise de la soirée, on s'occupe de la soirée. Et que cette personne fait vraiment le silence. On décide de l'attaquer, pas sa fille, parce qu'il faut le dire. Pépé dit toujours, si tu attaques Nicole, tu m'attaques. Cette personne ne répond toujours pas et on vient casser sa photo en direct. C'est la question que je te posais. Si l'acte-là, c'est-à-dire que cet acte-là, comment tu le juges, quoi? Mais bio, pour moi c'est même mystique, hein. Pour moi c'est compliqué. Mais bio, tu sais, moi je parle beaucoup en profondeur et on me reproche que j'exagère un peu, mais moi je pousse toujours très loin un peu. Moi je pousse toujours un peu plus loin. Enfin, on va finir avec. C'est vrai, il y a un peu de mysticisme dedans parce que. Mais c'est illogique. Pendant 3 ans, je pense que c'est 3 ans que cette paix-là a eu lieu sous nos yeux ici. Oui, exactement. Pépé s'est juré, modicus, que même si ça fait comment, elle ne va pas clasher. Elle a eu plusieurs occasions où elle pourrait rebondir sur Ngoy. Ouais. Nous, on a vu ça ici, mais elle s'est juré, modicus. C'est pour ça que le diamant bleu, on va donner les étoiles. Pardon, envoyer les cœurs pour le diamant bleu, les cœurs. Beaucoup, beaucoup de cœurs. Moi-même, je suis content pour son silence. Je doutais, je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait résister jusque-là, mais oui. Le rythme est bon. Et je suis un peu étonné quand même, j'avoue. Avec le silence, je n'étais pas d'accord, je ne peux pas te mentir. Parce que le guitar pour ça dit non, il faut faire le silence. Je disais que quoi? Elle insulte quoi? C'est facile. Elle répond aussi, on continue. La guitar dit non. Pepe aussi s'est levé un matin que non, je vais punir.
Je disais que non, la fête ne va pas durer. C'est que si un joueur va sortir, qu'elle va sortir, nous, on va seulement faire la récupération. Tu vois un peu le genre. Merde, la gamme maintenue le silence. Yeah! Oui, oui, oui. Et Nicole, chaque jour, à femme, je me souviens. Elle ne peut jamais oublier. Tu as fait tellement de postes pour ramener Nicole, sortir Nicole de l'ensemble de tout ce qui était les mamans, les papas, les je ne sais pas quoi, qu'elle s'accrochait, les doublets, triplets là. Ce sont les mamans, non? Ce sont les mamans. Les mamans. Beaucoup me voyaient papa aussi, non? Parce que me voyaient aussi chez les gars. Donc, maman, tu as tout fait. Tu avais les postes Nicole Ketcha, Nicole Ketcha. Et la femme, qu'est-ce que tu penses de Nicole maintenant? Pour moi, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Et ce matin, j'ai commenté dans son live, elle m'a insulté, mais j'ai quand même dit ce que je voulais dire en commentaire. Je vais encore le dire ici. C'est même pour ça que je suis monté. J'ai parlé de mysticisme là. On a un peu pris ça pour la rigolade, mais je suis sérieux. Mais je vais donner un conseil à Nicole. Même si elle veut partir en clash avec Flor de Lille, qu'elle ne montre pas son visage, qu'elle fait ce qu'elle va faire comme réponse dans le noir. C'est un conseil, Nicole. Si tu écoutes ce que je te dis, ne clash pas comme tu veux commencer le clash avec Flor de Lille à visage découvert. Fais toutes tes réponses dans le noir. Parce que Flor absorbe l'énergie et comprend ceux qui ont envie de comprendre. Moi, je pense qu'elle a besoin d'énergie pour se refaire une virginité. Parce que Flor a chuté, Flor est tombée. On est en train d'oublier Flor et voilà, il faut qu'il y ait cet échange d'énergie-là pour qu'elle puisse voilà, continuer son règne. Oui, donc, c'est un bon conseil. Ça. C'est un conseil. Si tu veux faire l'erreur de refaire une sortie à visage découvert, tu vas lire. Et je suis sûr qu'à l'heure qu'on parle, Nicole ne dort plus normalement. Je suis sûr. Parce qu'elle est attiquée. Elle est attiquée dans tous les sens. Et mon commentaire disait simplement que donne ton énergie à ta fille. Ta fille a plus besoin que de donner ça à Flo. Elle m'a insulté. Hein. Mais bon, moi, je ne prends pas ça. Moi, je ne tiens pas à rigueur parce que pour moi, je me dis, elle est contrôlée. Donc voilà, elle est contrôlée. C'est ce que je voulais dire. Ah, et j'en pense que c'est un jeu. Je peux même renchérir dans ton sens parce que Flo, elle a les visites nocturnes. Elle fait beaucoup de choses. Hein. Quand elle est dans une situation de conflit avec quelqu'un, il y a la nuit, elle t'attaque le jour. Moi, elle était venue carrément la nuit. Hein. Ça, j'ai toujours dit ça sur les réseaux, c'est pas la blague. Et je crois que mon esprit, l'esprit de mes ancêtres et tout, était très fort en moi. J'ai eu le dessus. Je ne sais pas comment t'expliquer. Enfin, c'est pour ça que je dis toujours, les écluses des cieux se sont accordées en ma faveur. Parce que c'était un combat où je partais perdante dès le début, dès la base. Parce que l'équipe de Flo, c'est une grosse équipe, hein, il faut le dire. C'est des gens, tu vois Flo, tu ne dors pas jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui viennent toujours écrire ici que tel est en direct, moi je n'aime pas ça. Moi je n'aime pas ça. Quand tu veux bloquer la personne, même si tu connais. Je n'aime pas ça. Ça veut dire que ceux qui sont ici sont fous, quoi. C'est comme si c'est... Donc, moi qui parle là, je suis... C'est aussi les gens, non? C'est aussi les gens. Moi, je n'aime pas cet esprit. Quelqu'un en direct... C'est aussi les gens qui suivent, non? Moi, je ne comprends pas. La personne en direct, c'est bien. Moi, je suis aussi en direct, mais passe. Arrête là-bas, ne viens pas ici. Moi, je trouve cet esprit pas correct. On ne peut pas dire t'es là en direct, t'es là. C'est quoi ton problème, en fait? Moi, je n'aime pas les gens qui sont femmes, franchement. Moi, je passe, si tu es en direct, j'entre là-bas. C'est après, on me dit que Jean-Jacques en direct, moi, je suis ici. Je suis ici. Le problème, terminé. On peut pas être partout. Non, mais franchement, je l'ai bloqué. Hein. Je sais pas c'est qui là, ma chérie, tu seras plus débloqué. Je connais pas comment on débloque. Voilà. Donc, enfin, moi, je dis, franchement, Nicole n'a que ce qu'elle mérite parce que c'est une jeune fille. Nous avons vu comment elle a commencé ici à nous insulter gratuitement. Ouais. Et à surprendre des mamans et à doubler et tripler les mamans. Elle a tellement doublé et triplé les mamans qu'aujourd'hui, c'est ses mamans qui lui jouent des tours. Tu comprends? Ouais. C'est ses mamans qui lui jouent des tours. Et maintenant, on a une des mamans qui bouffe l'énergie et qui n'est pas simple, qui fonctionne avec un peu de mysticisme. Ça, je suis d'accord avec toi à 100% pour avoir été victime, tu comprends? Mais elle ne va pas comprendre pareil qu'on va lui parler parce qu'elle va croire que oh, pourquoi je vais répondre, je m'en fous. Mais tous les esprits ne sont pas forts. Moi, je te dis que j'ai la sauge qui pousse devant et derrière. Je suis prête à envoyer même à Ducambindo s'il veut. J'ai beaucoup de sauge. Est-ce qu'il va accepter? Non, parce qu'elle aime bien. Les gens sont juste... Les gens sont derrière leur faux profil et ils ne subissent pas ce que Nicole subit. Les gens pensent que c'est la blague. Parce que... C'est pas la blague.
Flore de Lis n'aime pas sentir la résistance. Flore n'aime pas la rivalité. Et je pense que le fait que Flore a, qu'est-ce que je dis, Nicole a été acceptée par sa, pendant sa soirée, elle a dû voir que voilà, Nicole aussi a une énergie, voilà. Elle a aussi une forte énergie, elle a aussi une jolie énergie. Et je pense qu'elle a dû remarquer ça pendant leur rencontre et elle a compris que c'est un danger. Il faut casser ça, il faut tuer ça en fait. Il faut tuer ça dans l'œuf. Parce que qu'on le veuille ou pas, Flore n'a pas pensé à sa retraite. Flore ne peut pas imaginer un jour que les abeilles vont ouvrir les yeux et dire que, hey, même si on cotise là, c'est plus comme avant, C'est plus comme avant. C'est ça. Parce que tout Il ça faut maintenant aussi, tourner au c'est là, elle est tourmentée. Elle réfléchit aussi sur ton futur. Elle est en train de Exactement. disparaître. Les gens pensent que c'est peut-être pour insulter. Non, elle a fait son temps. Elle a fait son temps, c'est terminé. Il n'y a pas 2 semaines, nous c'est 3 semaines. Elle a juré que les clashs c'est mort. Mais sans les clashs, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle Qu'est-ce ne qu'elle va peut faire? rien faire. Parce que même les missions blessées de guerre, blessées de Kwetu, blessées de Zéro Bamako, blessé de ça guerre, fait même plus. n'importe quoi. Émission, tout le monde, quand il se connecte, il y a une émission. Là où je suis dans l'émission. Avec les gens qui me suivent maintenant, c'est mon émission. Point final. Donc, affaire qu'on va chercher à faire encore émission protocolaire, tout ça, c'est des bruits, c'est des pipeaux. Et voyez que Diamant Bleu se tire avec blogueuse humanitaire, Diamant Bleu se tire avec mon handicap, mon combat, parce qu'elle est entourée de belles personnes qui lui disent des choses. Elle est réceptive. Parce que Flore, il y a un temps, il fut un temps, a eu de très belles personnes, mais son égoïsme et son avarisme l'ont poussée à chuter, à couler. Elle a pensé qu'on voulait prendre les choses chez elle. Qu'est-ce qu'ils auraient pu nous donner, ces gens, autour d'elle? Si nous, ce n'était pas nous qui venions pour donner. Tu comprends? Oui. Donc, au final, ces abeilles moutons suiveuses, je ne sais pas quoi, ont cru que tout ce qu'elle disait était vrai. Pourtant, c'était de l'invention, on va dire. Franchement. Donc, non, non, moi, écoute, la femme, je sais quoi dire là, mais c'est fou, quoi. C'est fou comment casser cette photo pour moi, c'est comme repartir à la case départ. C'est comme dire que les gens, je veux dire. La paix même n'a plus de raison d'être parce qu'elle chante la paix, elle prône la paix, elle va être la blogueuse la plus influente, toutes celles qui a fait ce qu'on n'a jamais vu, mais ce sont elles qui viennent dégager comme ça. C'est déplorable, quoi, en fait. C'est vraiment déplorable. Non, C'est moi, je ne comme sais pas des. dans quoi elle est, mais bio. Chacun sait dans quoi. On dit qu'ils partent au Bénin, ils font des trucs, mais Nicole, si ça dépendait même que de moi, non. Tu ne réponds plus jamais à cette Flore de Lis. Mais je sais qu'on va m'insulter. Si ça dépendait, je sais que c'est à cause de ça que tu m'as insulté dans ton truc. Mais si ça dépendait que de moi, tu ne la répondais même pas. Parce C'est ça. qu'elle a besoin de ton énergie et elle est en train de prendre. Tu as encore fait. Tu as dégagé beaucoup d'énergie aujourd'hui. Dans ton live, tu étais viril. Tu as dégagé beaucoup et elle a besoin de ça. Et C'est ceux qui ça. sont là, bon, moi je ne les juge pas, hein. Ceux qui t'encouragent, voilà, c'est légitime. Mais moi, si tu veux mon avis, ma soeur, Angala est en train de